dans le miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes avec des élèves qui nous viennent d'un peu partout en Afrique pour les Olympiades panafricaines des mathématiques. Oh mon Dieu, je suis très content. Asseyez-vous, chers amis. Je suis très très content d'être avec vous pour cette deuxième semaine. J'espère que vous continuez à passer un bon moment ici à Kigali. J'espère. Applaudissez si vous passez un bon moment à Kigali. Ouais, et ça fait vraiment, vraiment plaisir d'entendre parce que voilà, on aime bien accueillir. C'est dans la culture d'ici d'accueillir, de bien accueillir les gens. Et voilà, et c'est toujours impressionnant pour moi de me dire qu'ils sont tellement forts en mathématiques qu'ils se sont rencontrés pour tester leurs connaissances et tout ça. C'est juste énorme, c'est juste énorme et très beau. Et voilà. Mais aujourd'hui, dans cette émission, tenez-vous bien, on va accueillir une superstar. Moi, je suis un grand fan de ses chansons. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs artistes qu'on a ici par la palette de ce qu'il nous propose. Des chansons tellement différentes, des vidéos à chaque fois intrigantes, intéressantes et tout ça. Et certaines de ses chansons, moi, quand je les entends, je me lève, je danse. Et chez nous, dans notre maison, dans notre foyer, c'est un de nos artistes préférés. Je mets beaucoup de suspense avant de vous dire qui c'est. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Mais avant, j'ai envie de vous parler un peu de l'Actu People de cette semaine. Rapidement, on a quelques recommandations à vous faire. Alors, quelles sont les recommandations qu'on a pour vous cette semaine? Jetons un coup d'œil aux recommandations films. Il y a The Mother, un nouveau film avec Jennifer Lopez sur Netflix. Il a été numéro 1 dans le monde dès sa sortie. C'est un film d'action. Jennifer Lopez est une espionne qui doit tout faire pour sauver sa fille. En bref, pas mal. C'est pas son meilleur film, mais c'est pas mal et c'est impressionnant surtout. C'est un autre style pour elle. Il y a aussi Les Chevaliers du Zodiac. C'est inspiré de ce célèbre manga qu'on a beaucoup aimé dans notre jeunesse, pour nous qui étions jeunes à cette époque-là, dans les années 90, 2000, hein. J'ai pas non plus exagéré. En tout cas, c'est là où on l'a découvert. Je pense qu'il date d'un peu avant, mais il a été adapté au cinéma et il est super. Alors, pour une autre recommandation, c'est Love Again. C'est une comédie romantique pour ceux qui aiment ce style-là. Et c'est la première fois que Céline Dion apparaît en actrice. Oui. Et il y a aussi Priyanka Chopra dans ce film qu'on vous invite à découvrir. Une autre recommandation série cette fois-ci, il y a Queen Charlotte. Ce sont les origines de Bridgerton, la série célèbre de Netflix. L'autre recommandation, c'est la dernière saison de Snowfall avec Idris Damson. Et mon Dieu, cette série, elle est super. Et la dernière saison, c'est encore mieux qu'on pourrait imaginer. Citadel, c'est une nouvelle série qu'on retrouve sur Prime. Et c'est une série d'action, d'espionnage et tout ça, qu'on vous recommande aussi. On n'oublie pas de vous recommander quelques musiques à découvrir absolument. Il y a l'album Key de Eric Wan Key, qui est un de nos artistes favoris sur le miroir, vous le savez. Mais cet album-là, c'est un autre niveau. Sérieux, il faut l'écouter. Moi, je pense qu'il devrait aller au Grammy avec ça. Franchement. Et on retrouve à la production Dr. Nganji et des duos avec Dawidi qui sont énorme. C'est un album qu'on ne retrouve pas sur YouTube ni sur Spotify. Il faut le retrouver juste sur le site de One Key. C'est assez intéressant, je trouve, comme formule pour distribuer sa musique. Mais vous n'allez pas le regretter. Et puis, une chanson gospel à vous proposer, Safari, c'est avec les Tweeds, Erika et Jessica. Et bien sûr, nous continuons à bouger sur Edeni. C'est une chanson de Chris Easy, un artiste d'ici chez nous, qui nous fait de très beaux visuels, il faut le dire. Voilà pour les recommandations et l'Active People d'aujourd'hui. Allons-y directement avec l'invité du jour. On parle musique et pas avec n'importe qui. Nelson Gabo, c'est notre invité aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. De son vrai nom, Nelson Biusa Rwangabo,
est un des chanteurs les plus populaires et sûrement celui qui travaille le plus ici au Rwanda. Le jeune homme né en août 1997 enchaîne tube après tube depuis le début de sa carrière en 2019. Signé sur le label Kina Music, Nengabo a déjà travaillé avec de grands noms comme Bruce Melody, No Less ou encore Ivan Bolavan et Fireman. Parmi ses titres les plus célèbres, on peut citer Zoli, Mutwade, Musa Dukumbura, I Want You Back, Nwe et Solo. Il vient de sortir son troisième projet studio, un album de 13 chansons titré Life, Love and Light, sur lequel nous mettons toutes nos lumières aujourd'hui. Nengabo nous rejoint tout de suite sur le plateau pour nous parler de sa carrière et bien sûr se mettre face au micro. Merci. Oh mon Dieu. Je vais prendre place aussi. Je suis très content de t'avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Parce que je suis un grand fan, je te disais tout à l'heure avant qu'on commence. Oui. Merci. Que j'écoute beaucoup ta musique et je trouve que tu as une proposition artistique qui est extraordinaire, je trouve. Ouais. Oui. Et à chaque fois que tu fais des vidéos, c'est tout un univers dans lequel tu nous emmènes. Ouais. Chaque fois que tu fais des chansons, on ne sait pas ce que tu vas faire après. Ouais. Et je suis content de t'avoir enfin dans l'émission Le Miroir aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Et aussi d'apprendre qu'il y a un album qui arrive. J'aimerais qu'on applaudisse pour Nenga. Merci. Ouais. Alors, la première question, ce sera d'où t'es venue la passion pour la musique et surtout comment est-ce que tu t'es retrouvé sur la voie d'une carrière musicale? Merci. Ça a commencé quand j'étais tout petit, normal comme tous les enfants. Mm-hmm. Je chantais tout le temps à la maison, j'imitais tous les sons que j'écoutais sur le radio. Mais je me souviens, il y a cet album de Apollinaire. Mm. Il était au top à l'époque. C'était un album gospel. Oui. Cet album, je le connaissais par cœur. Je le connaissais par cœur, mais je connectais plus avec des mélodies que des mots. Parce que j'étais tout petit et j'entendais rien. Mm-hmm. Mais j'aimais cet album beaucoup. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça. Et même en grandissant, j'ai continué à me retrouver sur le chemin musical. Mm-hmm. Mais aussi mon père. Mon père m'a soutenu, il m'a encouragé de continuer de faire de la musique. D'accord. Il est aussi dans la musique? Non. Il était militaire, lui. Il était militaire, carrément. Ouais, ouais, ouais. Loin de la musique. Ouais, ouais. Et c'est bien qu'il t'ait encouragé dans la musique. C'est assez étonnant. Ouais. Mais il a bien fait. Merci beaucoup au papa de nous avoir envoyé une superstar comme ça. Ouais. Grâce à lui, on a toutes ces belles chansons. Ouais. Alors, tu as déjà sorti deux albums à succès. Et tu sors, je ne sais pas, un album chaque année. Oui, oui, chaque année. C'est, vraiment... c'est ma vision. Oui, ça va très vite. Ouais. Et beaucoup de succès avec Ngabo, qui était le premier. Ngabo, on t'a découvert. Ouais. Ouais. Tu nous as fait danser avec Zoli. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends cette chanson, je me lève, je danse. Elle est au top, c'est là. Oui. C'est une chanson toute mignonne. Ouais, ouais. Et après, tu as sorti R&B 360. Ouais. Et là, finalement, Life, Love and Light. Light. Elles sont là. Ouais. On est ici. Et on a envie que tu nous parles de ce projet précisément. Ouais. Life, Love and Light, ça veut dire vie, amour et lumière. Mm-hmm. Et c'est mon troisième album. Et ça veut, ce que je peux dire sur cet album, c'est que toutes les chansons qui est sur cet album, certains parlent de la mort, certains parlent de la vie normale qu'on vit tout le temps. Mmh. Et d'autres parlent de lumière. Lumière, c'est des chansons gospel. Ah, il y a aussi des chansons gospel. Ah, donc c'est un jeu de mots sur. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Et c'est vrai que tu as sorti récemment une chanson gospel. Oui, ouais, avec Maranatha. Oui, et ouais. C'est sur l'album. Oui, il est sur l'album. D'accord. Ouais. D'accord. Et ok, maintenant là j'ai hâte d'entendre plus de chansons. Alors parmi les nouvelles chansons que tu as... Oh, je viens de réaliser que les derniers singles que tu as sortis sont sur l'album. Sur ce, ouais. Ah d'accord, donc celui que j'ai écouté hier, il est tout nouveau. My Heart. My Heart. Yeah.
Lui aussi, ce sera sur l'album. Donc, ce sera dans ce style-là, assez soulful et tout ça. Il y a beaucoup de styles, comme tu sais, ma musique est, c'est pas comment dire, versatile. Oui. Oui. Aujourd'hui, je peux faire l'R&B, demain, je peux faire le rumba, demain, je peux faire le hip-hop. C'est comme ça que je mène ma musique. D'accord. Ouais. Et justement sur ça, parce que vraiment, tu fais de tout, là, ouais, ouais. Comme tu as dit, ouais. C'est très versatile, tous les genres se retrouvent. Ouais. Comment est-ce que tu décides quelle est la direction que tu vas prendre? C'est la décision que j'ai prise avant de me lancer dans la musique. Mm-hmm. Je voulais pas sonner comme tous les artistes qui est ici en dehors. Mm-hmm. Je voulais que ma musique soit un peu différente. Je voulais pas que les gens me placent à une catégorie, ouais, d'R&B. Parce que personnellement, moi, je suis fort en R&B. Mm-hmm. Mais je voulais pas que les gens me connaissent comme un artiste d'R&B seulement. Mm-hmm. Oui, c'est une décision que j'ai prise. Et merci Dieu que mon management aussi, eux aussi, ils ont la même vision que moi. D'accord. Ouais. Et vous travaillez si bien ensemble avec Clément. Oui, oui. Oh mon Dieu. Ouais. Ah, I Want You Back, cette chanson? Top. Oh, non mais cette chanson, si vous ne l'avez pas encore vue, il faut aller la voir. Ouais. Et la vidéo, je ne sais pas, la cinématographie dedans, en parlant de vidéo, ouais. Moutoualé, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ouais. Ou bien à la maison, mais c'est une folie avec Bruce Melody. Ouais. C'est la chanson qu'on aurait... On ne sait pas qu'on a besoin de cette chanson jusqu'à ce qu'on l'entend ou on la voit. Ouais. On ne s'attendait pas, on savait que ça allait marcher dès que tu lis Nel Ngabo et Bruce Melody. C'est sûr que ça va marcher. Merci. Mais ça, c'est de la rumba, ça devient de RDC. Ouh. Carrément, ça nous ramène là-bas dans les années quartier latin avec Fiolomidé. Ouais. Et puis le clip, c'est une folie. Et j'ai envie de savoir justement quelle est l'inspiration derrière et quelle est cette vision qui fait qu'avec les clips que tu fais, ok, non, je n'ai pas posé cette question comme ça. Parce que de toutes les façons, ouais. On ne va jamais arriver à comprendre. À moins que tu reviennes, ouais. Et qu'on fasse clip par clip. Il n'y a pas de quoi, moi je suis... Oui, super, donc, il reviendra, il a dit. Ouais. Mais j'ai envie que tu choisisses trois, parmi les nombreux clips que tu as. Si tu devais en choisir les trois que tu préfères. C'est difficile, là. Zoli, mm-hmm. Zoli, Want You Back, oui, et Alam Hadjidje. Et Alam Hadjidje. Ouais. Oui. Tu as tourné ça où? Au Canada. Au Canada. À Montréal. Oui. Ouais. C'était bien fait. Ça nous rappelait les R&B des années 2000, ouais, quand le vois, garçon, ouais, suivait la fille. C'est ça que je voulais que vous voyiez. Oui. Ouais. Ça, tu ramènes le romantisme dans la musique actuelle parce, ouais, que. On en manque beaucoup ces derniers temps, c'est, ouais, argent, Afrobeat, oui, on, et surtout on parle de fêtes et de ouais, trucs pas très romantiques envers, ouais, les filles, mais même les filles envers les garçons, ouais. Donc c'est bien quand on tombe sur de la musique romantique, ouais. On en a besoin de temps en temps. Gasana zabi ninde uwo munsi nuza. Et on a hâte de découvrir cet album. Merci. Encore plus, tiens, parce qu'il est sorti depuis lundi et il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller streamer donc Nel Ngabo. Life, Life, Love, Light. And Light. Yeah. Voilà. J'ai, ouais, toujours envie de commencer par Love. Et, ouais, ouais. Life, Love and Light. Ouais. Oui, alors, dans cette émission Le Miroir, on met toujours nos invités au défi. Tu es prêt? Ouais, je suis très prêt. Mm-hmm. Ouais. On va faire le jeu du murmure. C'est un jeu intéressant. On va mettre des casques avec de la musique à fond à notre invité. Ouais. Je vais lire des mots et il va essayer de deviner ce que je suis en train de lire.
Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, super. Tu m'entends pas? Ok, super. Donc, on va y aller avec notre jeu, le jeu du murmure. Essayez de lire avec Nengabo. Premier mot. Garage. 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 La rage. Pas très loin. Pas très loin. Garage. 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 Ouh. Ok, on continue. Album. 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 Aluminium. Album. 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 Oui. Là, ça va être difficile. Fiancé. 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 Non? Non, je capte pas, je capte pas. Pas du tout. Ok, on laisse. Okay. Un dernier mot. Parler. 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 Oui. Merci, merci. Bravo, bravo. Merci, merci, merci. Ça te fait 3 sur 4. Ok. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. On applaudit encore pour le traducteur. Merci, merci. Nil Ngabo, on adore ce que tu fais, on adore ta musique. Merci, j'apprécie beaucoup. Oui, et je me demande si tu peux nous chanter une petite chanson, je ne sais pas, un petit extrait. Ok. Juste là pour nous faire plaisir. Okay. On applaudit pour... Elle me disait que c'était juste un ami. Elle me disait de ne pas avoir peur de lui. Namugishaga inama iyo byabaga byanze kandi kumbe ntazi ko ari ubitera mutware ninjye mutware 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 ninjye wabaye umwana reka mutware 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 nyine wabaye umwana. Merci, merci. Super. Ah, merci, en plus, tu as choisi ma chanson préférée. Ouais, ouais, donc, c'est super. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Oh mon Dieu. Ça fait plaisir d'accueillir les artistes qu'on aime bien ici sur ce plateau. D'un coup, je suis content de faire le métier que je fais. Ouais. Et l'album, le nouvel album Life, Love and Light de Nil Ngabo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming. N'hésitez pas à aller l'écouter. Nous sommes aujourd'hui avec nos amis. Ils nous viennent de différents pays, comme la semaine dernière. Ils sont encore avec nous. Ils sont au Rwanda pour les Olympiades panafricaines des mathématiques. Ils viennent de différents pays. Il y en a qui viennent de Tunisie, de Maroc, d'Algérie, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Du Togo, du Burundi, du Rwanda, de Congo-Brazzaville. J'ai tout dit. J'ai oublié quoi ? Le Bénin. Le Bénin. De Sénégal, j'avais dit. Ouais. C'est bon, donc je suis arrivé ? Oui. Applaudissez pour vous.
Et je suis content qu'il soit là. OPAM, c'est organisé par AIMS et Mineduc, donc le ministère de l'Éducation. Et c'est bien sûr soutenu par Mastercard Foundation, également à Jane Street et GIZ. Et merci donc d'organiser ce genre de plateforme pour les jeunes, pour qu'ils développent leurs connaissances et leurs talents. Et je pense que, mathématicien que vous êtes, vous allez nous construire quoi? Des satellites, plein de choses, l'avenir, quoi. Mais aussi, je sais que vous avez des questions pour l'invité que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui a une question pour Nelngabo? Oui? Vous pouvez prendre le micro. Alors, d'où vient l'inspiration quand vous écrivez vos chansons? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lina, de la Tunisie. De la Tunisie, oui. D'accord. L'inspiration. L'inspiration, ça vient de la vie quotidienne qu'on vit tout le jour. Je peux être avec mon ami, il peut me dire quelque chose qu'il a fait mal, qu'il a son expérience, quoi. Et le lendemain, tu peux écouter ton histoire sur la radio dans ma chanson. Ouais. Ouais, je prends l'inspiration dans la vie de tous les jours, tu vois, dans mon entourage. D'accord, ouais. C'est pour ça qu'on connecte avec tes chansons. Ouais. Oui, une autre question? Oui. Je m'appelle Crespo du Cameroun. Je voudrais savoir quel est votre plus beau souvenir d'enfance. Il y a longtemps, mais je me souviens où mes parents m'ont amené à voir Lucky Dubé. Au stade Amahoro. Oui. Ça, c'était... C'était énorme, j'étais à ce concert. Ouais. Tu étais encore un enfant? Ouais, j'étais tout petit. J'ai toujours les images vives. Les images dans la tête? Ouais. Oh, d'un coup, je me sens pas si jeune que ça, parce que moi, j'étais là-bas en tant que journaliste. Je travaillais déjà, donc... Je comprends. Mais ça... Oui, mais c'était un bon spectacle. Ouais. Bon concert. Ouais. Ah, je comprends que ça t'ait marqué. Oui, une autre question. Et vous pouvez poser la question assise. Hein. Oui. Le micro, oui. Bonjour, je m'appelle Rachida du Niger. J'aimerais savoir quel genre d'élève étiez-vous à l'école? J'étais cet élève, j'étais timide. Timide? Ouais, je parlais pas beaucoup. Je savais pas même parler aux filles, quand tu vois. Oh! J'étais très timide, je parlais pas beaucoup à l'école, mais j'essayais. T'écrivais en chanson, tu mettais en chanson? Non, j'ai commencé à écrire mes chansons quand j'étais à. J'avais 4, 14 ans, 15 ans. Oh, d'accord. J'étais au tronc quand même. Mais j'essayais d'avoir de bonnes notes. Mais tu avais quand même de bonnes notes. Mais j'étais très timide. Très timide. Ouais. D'accord. Ouais. Tu es toujours timide? Un peu. C'est pour cela que j'ai mis des... Les lunettes et tout ça. Ouais. Mais maintenant, l'avantage, c'est que tu n'as plus besoin d'aller vers les filles parce que tu es une star. Elles vont venir vers toi. Tu vois, Une dernière question peut-être, s'il y en a, oui. Ouais. Alors, c'est Fatima de l'Algérie. Tu peux te lever pour qu'on te voie? Et j'aimerais savoir quelle est cette chose étonnante que nous pourrions savoir à propos de vous. Je comprends pas. Quelque chose étonnante qu'on ne connaît pas de toi. Il y a pas grand chose qui va dans ma vie, mais j'ai joué au piano. Ah. Ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Ah j'ai vu dans un de tes clips tu jouais au piano. Je croyais que c'était du jeu quoi. Non, je joue pas. Oh. Ouais. C'est sérieux là-bas. On aurait dû amener un piano. Ah, la prochaine fois. La prochaine fois. Ouais. D'accord. J'aimerais qu'on applaudisse pour Nelngabo. Amis qui participent aux Olympiades panafricaines des mathématiques, une compétition donc internationale, panafricaine, entre matheux, donc ceux qui aiment bien les maths, qui est un bon cours. Moi, j'aimais beaucoup les maths au secondaire. C'était pas mon cours préféré, mais je trouvais ça super intéressant. Tu sais que j'ai fait le maths physique. Tu as fait les maths physiques aussi? Ouais. Mais c'était très difficile pour moi. Je suis pas au niveau de... Mais là, c'est des champions, c'est l'élite. Voilà. Oui. Et on va finir avec nos questions au choix compliqué ou presque impossible. Okay. C'est le tic-tac. Okay. Alors,
première question pour toi. Quel est le plus important, l'argent ou l'amour? L'amour. L'amour? Ouais. Ah d'accord. Ouais. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Ouais. L'amour, c'est... Mais c'est vrai, important. L'amour, c'est... Ouais. Et s'il y a un concert, le même, deux de tes amis, de tes collègues, ouais. Je sais que tu es signé avec Igor Mamano, ouais. Et Platini chez Kina Music. Ouais. Ils ont un concert le même jour, ouais. À la même heure, mais à des endroits différents. Tu vas auquel des deux? On va commencer un bif. On va commencer une guerre entre stars. Tu m'as mis quelque part. Oui. Je vais aller voir Igor. Igor? Oui, parce que Platini, lui, il est grand. Je suis allé... Tu es déjà allé le voir plusieurs fois? Plusieurs fois, ouais. Oui. Et Igor, tu n'es jamais allé le voir? Il avait un concert de son album. Il est allé faire le launch de son album, mais Covid a tout bloqué. Ouais. Tu te souviens? Oui, ouais, c'est ouais. Vrai, je me souviens. Le Covid a tout bloqué. Mais... Et donc là, tu te dis, je ne raterai pas. Oui. D'accord. Ouais, ouais. C'est très bien expliqué. Platini, ce n'est pas ton ami. C'est non. Pas ton ami. Oui. Est-ce que tu préférerais toucher un crocodile vivant ou un serpent vivant? Ah, un serpent vivant. Serpent? Ouais. Qui toucherait un serpent au lieu d'un crocodile? Applaudissez. Qui toucherait le crocodile au lieu du serpent? on est trois ou quatre. Ah, non. Ouais. Ouais. Et perdre tes cheveux ou prendre beaucoup de poids, comme 30 kilos? Prendre. Beaucoup de poids? Oui, prendre beaucoup de poids. Parce que déjà, je suis mince. Donc ça ne te gêne pas, même si tu gagnes 50? Non, il n'y a pas de quoi. C'est vrai. Ouais, ouais. Ah, tu as de la chance. Ça aide beaucoup. Ouais, ouais. J'ai commencé cette émission, j'avais 30 kilos en moins. J'étais très mince. Mais c'est bon, quand on a de la marge, ouais, c'est, ouais. Bien, c'est bien. Ouais, ouais. Oui. Et dernière question, qui passe en premier? Ton meilleur ami, ta meilleure amie, ou alors la personne avec qui tu es en couple? Ça, c'est très difficile. Ma meilleure amie. La meilleure amie. Oui. Ah, d'accord. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui applaudit. Oui, oui. Je le connais, toi. Ma meilleure amie, oui. Et la question, bien sûr, qu'on se pose, c'est est-ce que tu es en couple? Non, je ne suis pas en couple. Ah, c'est pour ça. Non. Parce que sinon, je me disais, la copine, elle va lui dire, comment? Non, je ne suis pas en couple. Oui, mais c'est important, l'amitié. C'est très important, l'amitié. Oui. Et on finit toujours avec la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. On essaie de gagner ce prix le jour où il sera là avec cette question. Face au miroir, Nelngabo, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Le plus? Oui. Ah, je ne sais pas. Mm-hmm. Frère. Question super compliquée, je sais. Le plus, c'est, je peux dire, mes yeux. Les yeux. Ouais. Mm-hmm. Il les a cachés quand même. Ouais. Hein. Mm-hmm. Le est-ce que tu aimes le moins? Mes jambes. Les jambes. Ouais. Ah, d'accord. Ça tombe bien, tu es souvent en pantalon. Ouais, parce que je suis très mince là-bas, tu vois. Mais tu es mince de partout. Imagine, tu es mince ici et puis tu as le grand. C'est très compliqué. Ouais, ouais. Merci pour ton honnêteté. Merci ton honnêteté. Merci. J'aimerais qu'on applaudisse pour Nelngabo. Merci beaucoup. Ton album Life, Love and Light se trouve sur toutes les plateformes de streaming, comme vous l'avez entendu. On va parler de la vie en général, on va parler de l'amour et on va parler du très haut parce qu'il y a de la musique chrétienne dessus. Merci encore une fois, j'aimerais qu'on applaudisse pour Nelngabo et aussi pour nos merci amis pour qui nous viennent de OPAM 2023.